Transport ferré, voilà bien un sujet, un thème au cœur de l'actualité ces dernières semaines, un thème de préoccupation de l'ensemble des Français et donc des Charentais que nous sommes. À l'initiative à la fois des organisations syndicales et de Grand Angoulême, nous avons choisi de nous retrouver pour prendre un petit peu de hauteur ce soir sur ce sujet, un sujet qui nous préoccupe tous donc évidemment, un sujet aussi de tension et de crispation parfois, on le sait. Le thème de la table ronde retenue et à laquelle vous avez donc été conviés ce soir, c'est le transport ferré, vecteur essentiel d'aménagement du territoire. Alors pourquoi ce thème ? Parce que l'installation d'une ligne de train ici a une conséquence directe sur l'économie d'une ville, d'un département et d'une région, on le sait. Parce que la suppression d'une gare là, ou la perspective de voir disparaître, d'en voir disparaître une, a une réelle incidence sur l'écosystème. Sur l'emploi également, et puis parce qu'un TGV qui ne s'arrête plus en gare d'Angoulême, par exemple, ou un TER qui ne s'arrête plus dans une gare, ou s'y arrête moins souvent, et c'est l'avenir d'un territoire qui peut être compromis. Voilà donc, je vais vous présenter les invités qui sont réunis autour de cette scène, à mes côtés, pour en débattre. Une présentation sans ordre hiérarchique. Nous avons Jean-François Doré. Bonsoir, monsieur Doré. Vous êtes Bonsoir. Le président de Grand Angoulême, l'agglo qui est d'ailleurs propriétaire de cet outil où nous sommes aujourd'hui, l'espace CARA, et puis l'agglo qui est aussi une autorité organisatrice des transports. Pour les syndicats des cheminots, nous avons Laurent Trimoulinard qui est responsable CFDT. Bonsoir, monsieur Trimoulinard. Bonsoir. À ses côtés, Johan Picon, vous représentez le syndicat Sudrail. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur. Et Emmanuel Prinet pour la CGT. Vous êtes responsable maîtrise et cadre à la CGT. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Un autre élu à nos côtés, il s'agit de William Jacquillard. Vous êtes conseiller régional charentais, délégué aux gares et à l'intermodalité. C'est ça, c'est bien votre fonction exacte. Bonsoir, monsieur Jacquillard. Bonsoir. Avant de démarrer, juste une petite précision. Nous avions invité également à cette rencontre, à cette table ronde, d'autres interlocuteurs qui nous semblaient incontournables dans un souci d'objectivité. La SNCF en premier lieu, qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Nous avions également invité les deux députés La République En Marche de Charente, Thomas Meynier et puis Sandra Marceau. Tous les deux nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles ce soir et nous avions également sollicité le député de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari, qui a une particularité. Il n'est pas charentais, mais il a une particularité, c'est qu'il est rapporteur La République En Marche de la loi ferroviaire. Nous allons donc faire sans eux ce soir. Et donc, nous allons tout de suite engager les débats avec les gens qui sont autour de cette salle. Et je vous signale qu'à la fin de nos échanges, le micro circulera dans la salle et vous aurez tout le loisir, si vous le souhaitez, de vous exprimer. Première question à ceux qui sont à l'origine donc, de l'organisation de cette soirée. Une question toute simple. Pourquoi vous a-t-il semblé important d'organiser une telle table ronde, Jean-François Doré ? D'abord, merci aussi à vous, Stéphane, et à la Charente Libre d'être quelque part des témoins aussi de cette soirée. Je crois que c'était bien aussi que ce débat se déroule avec une autre autorité journalistique qui puisse être présente pour prendre le recul nécessaire à certains moments. Donc merci beaucoup d'être avec nous dans cette organisation. Oui, je précise que, si vous permettez, que donc ce débat n'est ni un meeting ni politique, ni un meeting syndical. Il est bien prévu d'en faire un véritable débat. Absolument. Alors pourquoi cette idée ? Parce que ça n'a échappé à personne que depuis maintenant de nombreux mois, le territoire est en prise directe avec la direction de la SNCF sur un certain nombre d'anomalies, de manquements, de promesses non tenues, j'allais dire, mais je ne veux pas aller trop loin, mais de trahison aussi, et voire d'incompétence en matière de traitement de la gare LGV d'Angoulême, mais pas que, sur un certain nombre de domaines, sur les dessertes promises. Alors en nombre, le compte y est, en qualité c'est pas du tout pareil. De manière unilatérale, la direction, je dis bien la direction de SNCF, quand je parle de SNCF, je parle bien de la direction, parce que c'est à elle que nous avons affaire à chaque fois dans les négociations. Donc la SNCF
avait dit effectivement qu'à partir du 2 juillet 2017, nous aurions un certain nombre de dessertes à des horaires qui correspondaient un peu, enfin, à 80% à ce que nous avions demandé. Et ça devait durer 18 mois, pendant lesquels on ne devait rien toucher, mais regarder les résultats et faire le bilan au bout de 18 mois pour éventuellement modifier les dessertes. On n'a pas attendu du tout 18 mois, on a attendu à peine 6 mois, on a attendu même 5 mois, c'est-à-dire décembre 2017, pour modifier complètement les horaires, nous rajouter des Ouigo, nous enlever des trains à des horaires intéressants, correspondant pour le moins à des travailleurs qui allaient sur Bordeaux, par exemple, ou qui venaient de Bordeaux. Pas prévenu. On l'a su par la presse, on l'a su par vous, en fait. C'est par vous qu'on l'a su. Donc réellement, une colère qui s'est emparée de l'ensemble du territoire et quelle que soit, je dirais, quelle que soit la couleur politique. Le deuxième élément, ça a été les négociations que nous avons pu mener par la suite avec cette direction des SNCF, où réellement, on s'est senti, mais alors totalement méprisé. Avec un décalage entre nos demandes, il y a un décalage dans le discours. Moi, j'avais coutume de dire qu'on avait vraiment affaire à une technocratie parisienne complètement déconnectée de ce qui se passe sur le territoire. À tel point qu'on nous donnait les résultats merveilleux de SNCF sans nous parler de nous remettre les trains tels qu'on les avait demandés. Le troisième élément moteur du mécontentement, qui est né contre SNCF, c'est quand même ces lignes qui font partie de l'étoile ferroviaire d'Angoulême. C'est la ligne en premier, la ligne Angoulême-Limoges ou Limoges-Angoulême, qui pour nous est un sujet aussi de forte inquiétude, de fort mécontentement, avec un arrêt qui va durer, sur lequel on se pose plein de questions. Et sur lequel nous savons que l'ensemble des territoires... Alors, je crois savoir que ce soir, il y a des territoires de Haute-Vienne qui sont présents. Je les salue, hein, je vous salue. Je ne vous ai peut-être pas dit bonjour, mais on se verra tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie d'être présents et d'avoir fait le déplacement. Vous déplacez plus facilement que nos propres députés. Je vous remercie. Merci en tout cas d'être là. En tout cas, voilà, c'est réellement une forte inquiétude, parce que quand on casse une étoile ferroviaire, c'est qu'on a envie de casser un territoire intermédiaire, c'est qu'on a envie de casser une dynamique qui avait démarré effectivement avec cette nouvelle LGV, où on nous promettait un Bordeaux à 30-35 minutes et un Paris en 1h45. Voilà, donc ça c'est vraiment le sentiment de trahison. Pour les représentants syndicaux, pourquoi vous avez souhaité organiser un tel débat à un moment donné, M. Trimoulinard ? Alors bonjour, oui, Laurent Trimoulinard, donc mandaté CFDT. Alors effectivement, c'est une demande aussi de la part de l'ensemble des OS, parce que je pense... Organisations syndicales. Des organisations syndicales, pardon. Et il est vrai que je pense qu'il est grand temps que ceux qui font la production du ferroviaire sur notre territoire puissent aussi avoir la parole et fassent entendre leur voix. Alors, je suis tout à fait sur la longueur d'onde de M. Jean-François Doré sur la question, effectivement, de l'attitude de l'entreprise vis-à-vis de notre département. Et ça, c'est pas faute, nous, au niveau local, d'avoir tiré le signal d'alarme à maintes reprises. On l'a constaté ne serait-ce que déjà depuis longtemps, avec notamment l'exploitation de la ligne Angoulême-Limoges, des problèmes d'horaire, où manifestement il y avait des gros soucis en matière de correspondance, et on savait très bien qu'il n'y a rien de tel pour massacrer le service ferroviaire qu'on offre aux usagers que quand on commence à faire des correspondances qui ne sont pas assurées. Et ça nous a déjà alerté. On s'est dit, il y a anguille sous roche, c'est pas anodin. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le discours qu'on nous a souvent fait comprendre, on ne peut pas faire autrement, ou parce que le Limousin voulait que les trains partent à telle heure, ou Bordeaux voulait... En réalité, on s'est aperçu, et longtemps, bien avant qu'on en soit cette situation, que c'était déjà organisé. Donc, ce que vous dites, c'est que cette ligne Angoulême-Limoges en travaux, c'est un moyen détourné de la fermer. Je ne dirais pas que c'est le fait qu'elle soit en travaux. Je dis que tout a été fait, en tout cas, oui, pour que les gens n'aient plus envie de la prendre.
Vous savez, une ligne, quand on veut que les gens la prennent, il faut qu'elle soit attractive. Et pour qu'elle soit attractive, il faut qu'elle corresponde aux besoins. Et quand on fait des trains qui roulent de moins en moins vite, où on s'aperçoit que finalement, on a plus intérêt à prendre la voiture, forcément, ça donne du grain à moudre à ceux qui disent, finalement, ça ne sert à rien de la garder, cette ligne, puisqu'on va plus vite en voiture. Et ça, c'est malheureusement ce qui se produit sur Angoulême-Limoges, mais qui, à terme, parce qu'effectivement, en réduisant les dessertes sur notamment Angoulême avec le TGV, ça va impacter aussi les autres lignes. Angoulême-Bordeaux par la ligne classique, les Coutras par exemple. Donc on a un processus en fait. On sent qu'il y a eu un engagement d'un processus depuis un bon moment. En gros, on pourrait dire que c'est depuis le début des travaux de la LGV. En ce qui nous concerne, on a senti le plus fort processus en 2012. On a senti ce processus d'abandon, finalement, d'une qualité de service qu'on avait pendant un temps. Et ça s'est vu aussi bien en matière de matériel roulant que dans la qualité des dessertes. Et ça, on l'a dit, on l'a maintes fois répété, mais c'était circulé, il n'y a rien à voir, ne vous inquiétez pas. Et le problème, c'est que effectivement, on a bien vu, et c'est pour ça qu'on s'est un peu impliqué, qu'on a tenté de s'impliquer dans ce débat, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait c'est pas un fossé, c'est même plus que ça, un gouffre entre ce que les élus entendaient de la part de la direction de l'entreprise et ce que nous, on faisait remonter du terrain. Et je pense que maintenant, il est temps que les usagers, les citoyens lambda, en faisant abstraction de tout idéal politique, on n'est pas dans le dogmatisme, c'est vraiment essayer d'apporter un éclairage sur ce qui se passe réellement sur notre territoire. Alors cet éclairage, pour être clair, il a quand même été apporté. Enfin, on a fait de nombreux articles les uns les autres où on raconte tout cela. Mais malgré tout, j'ai l'impression que vous estimez que votre voix est peu entendue. Elle est peu entendue parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut rentrer en ligne de compte. C'est que visiblement, quand on, comme vous dites très justement, effectivement, les médias locaux s'emparent du phénomène et essaient de convaincre, si on peut dire convaincre, en tout cas d'informer. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas eu droit au chapitre. Comme j'ai dit, qui sait le nombre d'emplois qu'il y a d'agents travaillant pour le ferroviaire sur notre territoire et les emplois indirects que ça produit, aussi bien au niveau en matière d'emploi qu'en matière de... Voilà, on n'a aucune connaissance dans ce domaine, du moins de mon point de vue, dans les médias ou autres, que si ce n'est que les interventions qu'on peut faire. Et je pense qu'elles sont trop rares et que c'est pour ça qu'on a souhaité intervenir. Donc, quand nous avons préparé ensemble un petit peu cette rencontre, aujourd'hui, vous m'avez dit que vous souhaitiez que certaines vérités soient dites, ce sont vos mots. Monsieur Picon, par exemple. Alors, ça veut dire quoi? Quelle vérité? Que certaines vérités soient dites, déjà, on voit bien la présence de la SNCF. Hein, je dis la SNCF, pas les cheminots. Donc, il y a déjà quand même un certain mépris à ce qu'ils ne soient pas là, présents, et qu'ils ne répondent pas, d'ailleurs. Donc, ça nous a quand même pas mal interpellés. Effectivement, après, on essaye quand même de faire des actions visibles, mais ce qu'il y a, c'est que il y a des non-dits dans cette boîte. On apprend toujours les choses après la bataille. Donnez-nous quelques petits exemples concrets, si vous voulez bien. Un exemple concret, je fais un train le matin à 5h55, il va changer d'horaire pour un oui, pour un non, mais on est au courant quasiment à la prise de service ou la veille ou l'avant-veille, quoi. C'est-à-dire à la mise en service des roulements. Déjà, il faut savoir que sur Angoulême, bien souvent, on demande à regarder les roulements. Alors, les roulements engins et les roulements pratiques, enfin pour nous, disons nos journées de service, sont négociés en comité d'hygiène et sécurité du travail, CHSCT. Donc, normalement, on peut avoir quelqu'un d'invité, mais déjà, la direction SNCF ne souhaite pas que les Angoumoisins mettent leur nez dans ce qui les concerne, c'est-à-dire leur propre roulement. Donc déjà, il y a quand même... C'est nouveau, ça? C'est quelque chose de nouveau ou pas? Relativement, parce que jusqu'à présent, jusqu'à temps qu'ils enlèvent du personnel en fait à Angoulême, parce qu'aujourd'hui, on prend notre service, on ne voit personne. On est devant un ordinateur, on a notre programmation, on est géré par Bordeaux, et en fait, on fait des missions d'Angoulême. Alors les missions d'Angoulême, on peut en parler, ça peut... Ça va faire sourire. Donc nous, on prend le TGV derrière, et donc on va à Bordeaux faire du Bordeaux-Arcachon, Arcachon-Bordeaux, quand on fait du TER. Ça, c'est par exemple un premier constat.
Alors qu'autrefois, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans les années 2000, début 2000, on faisait quand même l'étoile au départ d'Angoulême qui partait sur Royan, qui avait des missions Saintes, qui avait des missions Poitiers. On faisait même la transversale Poitiers-Limoges, Limoges-Angoulême. On allait à Bordeaux et on montait à Paris aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, on est cantonné à faire du travail de Bordeaux et encore une certaine sorte de travail, c'est-à-dire du Bordeaux-Libourne, du Bordeaux-Coutras, du Bordeaux-Arcachon, donc là je parle pour la mission TER, et pour les TGVistes, dont je ne fais pas encore partie, mais normalement prochainement, donc là aussi on pourra en parler, mais voilà, là n'est pas le débat, les TGVistes descendent à Angoulême pour aller faire du Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux, voilà. Donc voilà. Donc on sent l'éloignement du bassin d'emploi, qu'il soit même au niveau des missions, parce qu'il y a beaucoup de collègues même qui font du travail sur Bordeaux. On avait réussi à faire un espèce de roulement sur Angoulême qui a permis à certains synthés de pouvoir venir, et ils les ont appâtés un petit peu pour aller faire des missions sur Bordeaux. Et la SNCF le justifie comment, quoi ? Ça, elle dit quoi ? Elle ne justifie absolument rien. Elle est sourde à tout dialogue. Complètement sourde à tout dialogue. Donc en fait, nous on se retrouve vraiment. Alors, comme on est en plus au niveau de la représentativité petit, eh bien on se retrouve à ne pas avoir assez de force, mais quand même. Ils se sont aperçus que même petit, on arrivait quand même à secouer un petit peu le cocotier, comme je dis. Voilà. Alors face à cette situation, votre prédiction c'est quoi ? Ben, la prédiction, déjà d'une, je ne suis pas prédicateur pour commencer, donc ça va être assez compliqué. Par contre, je n'ai pas besoin d'être devin pour essayer de deviner ce que veulent essayer de faire et le gouvernement et l'entreprise elle-même. Tout à l'heure, il a été un petit peu expliqué la façon, pour revenir un petit peu sur la ligne de Limoges, la façon d'abandonner cette ligne. Malheureusement, ce n'est pas un abandon qui date d'il y a 2-3 ans, ça date malheureusement d'il y a bien plus longtemps que ça. De plus d'une vingtaine d'années, pour être précis. Je me rappelle, à l'époque, on a travaillé à essayer d'organiser un roulement sur cette ligne qui puisse permettre de la viabiliser, de donner une réelle qualité de transport. Et on n'a pas du tout été écouté par la direction de l'entreprise, à l'époque, sur cette démarche. Bien au-delà de ça, je vais revenir, il y a une quinzaine d'années, on avait sur cette ligne-là, par exemple, une équipe d'entretien et de maintenance de la voie. Il y a 15 ans, cette équipe-là a été purement et simplement supprimée et rattachée à une équipe d'Angoulême qui, elle, a la charge de l'axe Paris-Bordeaux et devait en plus occuper cette partie de Limoges. Sauf qu'aujourd'hui, l'effectif qui constitue cette équipe-là ne correspond pas à l'effectif qui avait besoin pour gérer les deux parties. Aujourd'hui, il y a l'effectif que pour la partie Bordeaux, Paris-Bordeaux. Donc c'est un abandon. Vous avez le sentiment que c'est un abandon programmé complètement. Petit à petit programmé. Complètement. Rien n'est anodin dans l'entreprise. Rien n'est anodin. On l'avait pressenti à l'époque où ça a été fait. On leur avait dit vous mettez tout en œuvre pour abandonner cette ligne. Bien évidemment, on nous crie haut et fort que ce n'est pas le cas, qu'on se fait des films, qu'on se fait des idées. Malheureusement. Je ne vais pas dire qu'être dans une OS quelle qu'elle soit, on devient prédicateur, mais presque au final. Presque au final, parce que c'est tellement prévisible dans la méthode, tellement prévisible dans la façon de faire. Ils nous mettent à chaque fois la même façon de procéder. Et il faut quand même reconnaître aussi qu'il y a eu une grosse différence sur la gestion de cette ligne, par exemple, entre le côté Limousin et le côté Pictot-Charentais. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un voyageur ici qui a pris cette ligne qui ne peut vous dire qu'il a senti une différence à bord quand il a franchi la frontière entre le Limousin et la Charente. C'est d'un côté, on peut boire un café sans le renverser, de l'autre côté, on n'essaye même pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que vous vivez sur le terrain va un peu à l'encontre. Alors, il y a ce fameux rapport Spinetta au plan national dont on a beaucoup parlé. Oui. Le gouvernement a notamment dit que sur l'une des préconisations de ce rapport Spinetta, qui était la suppression de certaines petites lignes, le gouvernement était clair, il n'en est pas question. Ce que vous vivez sur le terrain ne correspond pas, nous dites-vous, à ça. Alors, il a été clair, mais c'est comme tout, hein. Quand il y a une source de lumière, on ne voit pas ce qu'il y a derrière.
Donc dans ce qu'il a dit, on ne voit pas tout ce qu'il a dit. Et ce qu'il a, il a dit une chose, c'est vrai, qu'il ne tiendrait pas en compte dans leur projet de loi, je le précise bien, la suppression des 9000 km de voies. Mais en revanche, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a un désengagement financier total de l'État sur l'ensemble de ces petites lignes. Donc c'est renvoyer la responsabilité de comment on les gère aux régions, et quand je dis aux régions, je parle à toutes les régions de France, et les régions ne vont avoir que très peu de possibilités. C'est où ils ont les moyens financiers de pouvoir maintenir l'ensemble de ces 9000 km de voies, et à ce moment-là, elles seront maintenues toutes ou parties. Mais ça, c'est une question de financement. Après, deuxième choix, donc ce choix-là, pardon, s'il est pris de maintenir, ça veut dire qu'il va falloir le financer. Si on doit le financer, les moyens financiers des régions, ils sont pas, c'est pas des penches sans fond où on peut servir autant qu'on veut. C'est bien le contribuable qui, lui, va devoir, à un moment donné, mettre la main à la poche, parce que quand on parle de la suppression de l'impôt local, ça ne concerne pas tout le monde, juste pour la petite parenthèse. Ça veut dire que ceux qui payent, demain, vont payer encore plus. Et donc, nécessairement, on va avoir des mécontents de ce point de vue-là. Deuxième choix, c'est la fermeture pure et simple de ces lignes pour les régions qui ne voudront pas faire ce choix-là et qui n'auront pas les moyens. Là aussi, ça fera encore des mécontents parce que les gens qui aujourd'hui ont une desserte ferroviaire, demain ne l'auront plus. Alors, nous avons un représentant de la région, vous avez parlé de la région il y a quelques instants, William Jacquillard. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur Jacquillard, pour le dire de manière un peu triviale, qu'on est en train de vous refiler le bébé, ou certains bébés? Ah oui, enfin, on est en train, ça fait un moment, hein. Parce que, bon, sans revenir sur Angoulême-Limoges, parce que ça constitue pas... c'est une bonne illustration de ce qui se déroule, parce que quand tu dis il y a 20 ans, oui, moi je me rappelle, il y a 26 ans, je faisais signer les premières pétitions sur les marchés à Chasse-Neuil, etc., pour empêcher la fermeture à l'époque, puisque... Il avait été décidé par la SNCF de mettre le butoir à la limite entre la Charente et la Haute-Vienne. Bon. Le désengagement de l'État, alors à travers RFF, SNCF Réseau aujourd'hui, il date de plusieurs années. La dette qui s'est accumulée, elle est d'abord le fait de l'État. Elle est d'abord le fait de l'État dans ses choix. Alors quand je dis l'État, c'est une succession de gouvernements qui ont, pensé que la SNCF, après avoir piqué dans la... parce que ça a quand même beaucoup abreuvé aussi les fonds de l'État pour d'autres investissements, parce que la SNCF a dégagé des fonds, a dégagé des bénéfices, a dégagé un certain nombre de choses. 100% action État, sauf que l'État n'a jamais remis au pot. Donc à partir de là, on a effectivement une dégradation de l'entretien du réseau. Bon, je ne vais pas revenir, hein, le rapport Spinetta, etc., les lignes 7 à 9, enfin ce qu'on appelle les petites lignes, entre guillemets, mais qui sont vitales, parce que sans ces lignes, on ne voit pas comment, les grandes lignes, y compris à grande vitesse, peuvent être alimentées par des usagers, parce que les usagers, ils ne montent pas qu'à Poitiers et Angoulême, hein, ils viennent d'un peu partout. Et aujourd'hui, que ce soit économiquement, écologiquement, mais y compris pour l'usager qui n'a pas forcément une deuxième voiture ou qui n'a pas les moyens d'avoir une voiture tout court, ou pour les jeunes que l'on transporte à Chasse-Neuil, par exemple, au lycée ou au CFA, la ligne ferroviaire, le TER, est indispensable, totalement indispensable. Bon. Donc l'État s'est désengagé, les réseaux n'ont pas été entretenus, on a retiré un certain nombre de moyens en termes d'effectifs, mais aussi de moyens matériels. Et je me rappelle très bien quand l'équipe qui était à La Rochefoucauld, qui était en charge de l'entretien de la ligne Angoulême-Limoges, a été retirée, il y a effectivement entre 10 et 15 ans déjà. Hein. C'était Sylvain Mabiol à l'époque, d'ailleurs, qui était présent, je m'en rappelle très bien. Depuis, rien n'a été fait, mais pas plus là que sur d'autres lignes en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour prendre peut-être un petit peu de hauteur régionale, on l'a fait, l'audit, en 2017. C'est 600 millions d'euros pour remettre l'essentiel, on va dire, des petites lignes de Nouvelle-Aquitaine à niveau d'ici 2025, en fait, pour éviter d'en fermer 3 ou 4, pour parler très directement. Et c'est 1,2 milliard à l'horizon 2030 pour que le réseau soit remis à un état correct et puisse permettre la circulation des TER. Parce que la région est une des grandes victimes de ce système. La région renouvelait tout le matériel. Alors,
Les ex-régions, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, finalisent. Tout le matériel roulant a été renouvelé. Bien. On engage pas mal d'argent et on paye la SNCF pour faire circuler de plus en plus de TER. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Le nombre de circulations qui ont augmenté. Alors, vous citiez des grandes lignes où c'est des dizaines de milliers de voyageurs qui circulent, d'autres un peu moins. Mais on a le TER, depuis que les régions ont charge les TER, ici, au moins en Aix-au-Poitou-Charentes et à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près dans la même chose, on a pratiquement doublé le nombre de voyageurs. Vous donniez le Donc, chiffre, pardon. Alors, juste pour finir, effectivement... On nous refile le bébé et en même temps, l'État sait très bien que ça n'est pas possible. Donc la discussion aujourd'hui, et pourquoi le président Alain Rousset a demandé un plan rail exceptionnel pour Nouvelle-Aquitaine, c'est parce que de toute façon, les régions ne pourront pas. Elles interviennent déjà... Vous n'avez pas 600 millions d'euros à sortir pas de votre tout de suite, là, non. On cherche un peu, mais on ne les a pas tout de suite. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on intervient déjà hors compétence. Parce qu'il y a un nombre de lignes où la SNCF, réseau, était engagée. Par exemple, Saint-Eur-Royan, dans la réfection totale de la ligne. Au dernier moment, pratiquement la veille où les travaux commencent, et c'est quand même à hauteur de 11 millions d'euros, réseau nous dit, eh ben, nous, on ne peut plus vous donner d'argent, on n'a plus d'argent. Donc, qui fait le chèque à la place? C'est la région. Sur des lignes comme entre Bergerac et Bordeaux, et sur plein d'autres lignes comme ça, non seulement la SNCF Réseau se retire des financements, mais l'État nous demande, nous, régions, y compris, d'avancer l'argent à leur place. Et dans les contrats de projets État-Région, qui normalement doivent être suivis à la lettre en cofinancement État et Région, la Région a versé 99% de ce qu'elle devait, l'État n'a versé que 25%. Donc on est aujourd'hui quand même dans une véritable tragédie pour le rail, mais on est dans un système qui est entretenu depuis X années, qui fait que de toute façon, l'État n'a absolument pas assumé son rôle et ses responsabilités en la matière. Voilà, alors après on peut discuter de qui n'a pas fait bien, à quel moment, etc. Mais enfin, c'est quand même... la responsabilité des différents gouvernements qui se sont succédés. Enfin, on peut tous en faire le constat. Et en Charente, particulièrement, on en subit pas mal d'effets, parce que cette ligne Angoulême-Limoges, qui pour certains apparaît comme étant pas forcément primordiale, encore une fois, quand on regarde le réseau charentais, quand on regarde le carrefour ferroviaire Angoulême, on n'est pas comme dans d'autres départements qui disposeraient de X lignes. Nous, on n'en a pas beaucoup, hein. On a une nord-sud, est-ouest. Alors, à partir de là, si on ne peut pas desservir l'ensemble des territoires du département, il y a une partie du département qui fera une croix sur le réseau ferré, et notamment dans la partie est. Et pour le Limousin, qui peut-être s'est réveillé un peu tard sur certaines questions, parce que je me rappelle de certains échanges il y a pas mal d'années, cette ligne Limoges-Angoulême à destination de la côte atlantique est primordial pour beaucoup, beaucoup de gens de Charente-Limousine et de Haute-Vienne. Voilà, donc on a les mêmes débats sur la Corrèze, sur la Creuse, on a les mêmes débats sur le sud de l'Aquitaine, mais partout aujourd'hui où le train n'est plus à disposition de l'usager, c'est d'abord pour une raison, état du réseau, des engagements des gouvernements successifs dans les financements. Monsieur Trimoulinard. Oui, je rebondis sur ce que vous dites, et c'est très juste. C'est d'autant plus juste que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ligne Angoulême-Limoges, on a l'air de croire, on parle Angoulême-Limoges. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est les effets secondaires. Parce que Angoulême-Limoges, c'est qu'un effet. Mais il y a le deuxième effet. C'est le deuxième effet, c'est l'absence des populations que ça pouvait drainer sur Angoulême. Donc, c'est-à-dire, c'est fluidifier le transport des voyageurs. Et de permettre d'aller jusque sur Saint-Royan, d'aller sur Poitiers, d'aller sur Bordeaux, tout ça on l'enlève. C'est-à-dire qu'à terme, je dis bien à terme, même Angoulême est remis en cause. Parce que qu'est-ce qui justifie des arrêts en gare d'Angoulême? C'est l'attractivité d'Angoulême. Si à un moment donné, il y a moins d'usagers, trains, ferroviaires sur Angoulême, et qu'est-ce qui irrigue Angoulême? C'est toutes les petites transversales.
Donc, faut pas se leurrer. Pour reprendre le mot de prédiction qu'on employait tout à l'heure ensemble, vous prédisez si rien mais les choses continuent en l'état, la guerre d'Angoulême mais le schéma à terme. Mais ça coule de source. Le schéma que voulait déjà de toute façon l'entreprise à la base, on l'a vu, M. Jean-François Doré ne me contredira pas, dans le plan transport TGV, sur le nombre d'arrêts sur Angoulême. À la base, il y avait une diminution drastique, avant même l'ouverture de la LGV, du nombre de dessertes TGV, alors qu'on avait promis, à minima, le maintien de ce qui existait. Puisque dans la logique de chacun, la LGV, ça devait non seulement garantir, à minima, exactement le même nombre d'arrêts, mais par le phénomène, justement, d'irrigation et d'attractivité, ça devait augmenter les arrêts à Angoulême, et non l'inverse. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui... Sauf que ce n'est pas dans l'intérêt, excusez-moi, du concessionnaire, l'ISEA, parlons-en, qui, lui, veut amortir le financement de sa LGV et qui veut qu'il y ait un maximum de trains qui roulent. Et ce qui fait que maintenant, le TGV SEA, c'est le TGV bordelais des Parisiens, point. Monsieur Doré, êtes-vous aussi pessimiste, vous qui, à l'heure où nous parlons donc aujourd'hui d'aménagement du territoire, menez plusieurs projets autour de la gare d'Angoulême, donc liés au trafic ferroviaire, le centre d'affaires qui va être créé, la passerelle qui est en cours de, d'installation, le projet donc à l'arrière de la gare, tout ça pour risquer de voir un jour la gare disparaître. J'imagine que vous n'y croyez pas. Moi, je peux pas y croire. Et puis, on se battra jusqu'au bout pour que ça n'arrive pas. Et il y a quand même, transformer la Charente dans une, pour le coup, dans une vraie gare betterave. Ça peut s'imaginer. Je pense même qu'il y en a qui y pensent. Mais une gare betterave, c'est-à-dire une gare secondaire. Qui ont positionné des gares comme ça sur le territoire, sur le tracé de la ligne LGV actuelle. Sauf Marsac, qu'une gare, la notion de gare, elle se résonne par les connexions. Par ce phénomène d'étoile qui permet effectivement de desservir les territoires et d'amener des passagers, d'autres passagers en direct, qui viennent d'autres directions. Une gare betterave, c'est une gare sur une ligne qui est contrôlée par SNCF, voire par des privés, et qui va y adapter effectivement le nombre de dessertes en fonction de son chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose avec une étoile ferroviaire où là on irrigue. L'esprit, c'est un esprit d'irrigation, c'est un esprit effectivement de la responsabilité de l'État. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, en fait, c'est à chaque fois, et c'est peut-être ce qui a fait qu'on. Ça aussi, ça a déclenché un peu cette réunion, c'est que à chaque fois, l'État se reporte sur des faux problèmes et des fausses accusations. Enfin. Là, j'ai entendu un Premier ministre quand même dire on veut bien aider la SNCF, mais il faut arrêter, grosso modo, que les cheminots nous fassent un milliard cinq de déficit tous les ans. C'est un peu ça que j'ai entendu. Ce qui est totalement incroyable de la part d'un responsable de l'État, parce qu'on sait très bien, effectivement, que les 50 milliards d'endettement stockés par SNCF, comme l'a dit William, c'est un endettement qui appartient pleinement à la responsabilité de l'État, puisque c'est un endettement qui touche l'aménagement du territoire. Donc ce n'est pas les cheminots qui l'ont fait, ce déficit. Ce n'est pas eux qui l'ont fait, qui l'ont stocké, cet endettement. C'est bien l'État qui s'est complètement défaussé sur la SNCF. Donc voilà. Moi, je suis inquiet, effectivement, par rapport à ça. Maintenant, on mettra des actions pour éviter ça. On mettra tout le monde devant ses responsabilités. Je vais vous dire, si à un moment donné, les collectivités, les acteurs économiques décident que c'est allé trop loin et on n'en est pas loin et qu'il faut entamer à la limite une procédure juridique contre l'État, on ira jusque-là. Hein. On ira jusque-là. La question aujourd'hui, elle est réellement posée, et c'est pas uniquement le Grand Angoulême, c'est pas uniquement la Charente, c'est nos amis de la Haute-Vienne, c'est nos amis de la Charente-Maritime, c'est nos amis du nord de la Gironde, c'est nos amis du sud de la Vienne. Tout le monde aujourd'hui, on est la SNCF depuis le départ, depuis la mission Auroux.
Parce que là aussi, la mission Horus, c'était 7 dessertes dans les deux sens, tous les jours. Il nous avait réduit à la portion minimale. Et depuis le départ, on ne parle que la gare d'Angoulême, la gare de la ville d'Angoulême. Donc effectivement, c'est beaucoup plus pratique. Quand on parle de la gare de la ville d'Angoulême, on parle de la gare d'une ville de 42 000 habitants. Par contre, si on commence à parler d'un territoire qui touche effectivement tous les territoires connexes autour de nous, on touche un potentiel de passagers de 900 000, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça aujourd'hui sur lequel on a beaucoup de peine à faire reconnaître, effectivement. William Jacquier, vous voulez dire quelque chose ? Juste pour dire que là, on est dans le cadre d'un partenariat public-privé. En plus. Je ne sais pas qui va gérer un certain nombre de lignes demain et qui va gérer les gares, puisque, a priori, SNCF Gare et Connexion va intégrer SNCF Voyage, c'est-à-dire ils vont être dans le même établissement que ceux qui organisent le trafic voyageur. Mais il est quand même fortement question de laisser un certain nombre d'immobiliers ou de fonciers, voire d'infrastructures au passage. La région a été très claire là-dessus. Partenariat public-privé, on a fait une fois, il n'y aura pas deux. Parce que je pense que si on en est là sur aussi cette question de la LGV, sur cette question de rentabilité à tout craint de cette ligne, quitte à supprimer des arrêts, quitte à supprimer des trains qui ne sont pas les plus remplis, c'est parce que oui, voilà, l'ISEA, lui, il retombe sur ses pattes. Et SNCF, quand on sait, a commencé à exploiter la LGV, est parti avec un déficit d'exploitation. Bon. Ils veulent absolument résorber ce déficit d'exploitation, et ça se fait sur le dos des territoires et des usagers. Là aussi, l'État, 100% actionnaire, SNCF, je ne sais pas les objectifs qu'il donne à SNCF, mais de mon point de vue, normalement, un service public ferroviaire, c'est pour desservir les territoires et transporter des usagers. Donc, c'est pas pour nourrir des actionnaires, me semble-t-il. Sur le dos des usagers, dites-vous, et sur le dos des cheminots aussi, j'imagine, monsieur Pinet. Complètement, oui. Oui, je dis complètement, parce que déjà pour recentrer un petit peu tout ça, il faut quand même savoir que sur cette planète, il n'existe aujourd'hui aucun transport ferroviaire bénéficiaire. Ça n'existe pas. La partie de bénéfice, si on s'arrête aux financiers, on ne la mesurera pas. Le bénéfice, il se fait au service rendu à l'usager. Il se fait au service rendu sur les territoires. Donc, c'est quelque chose qui coûte, mais qui apporte un bénéfice qui n'est pas quantifiable en monnaie, quel que soit le pays où on habite. Pour revenir donc sur les petites lignes telles que Limoges, j'aimerais qu'on se recule un petit peu du territoire et puis qu'on regarde un petit peu notre pays en grand. Et qu'on regarde un petit peu, depuis la préparation de ce rapport Spinetta et jusqu'à sa sortie, qu'on regarde un petit peu quels sont les nombres de petites lignes qui, subitement, sont devenues impropres à la circulation depuis l'arrivée de ce rapport et de la mise en place de la réforme. C'est assez surprenant, quand même, de voir que subitement, cette année, on a un nombre considérable de lignes qui sont considérées impropres à la circulation. C'est magique. C'est magique. Donc, l'entreprise SNCF, la SNCF, parce qu'aujourd'hui, la SNCF, elle est quand même constituée de trois gros blocs, trois entreprises distinctes. Hein. C'est SNCF, l'entreprise de tête, c'est la grosse direction, hein, c'est ceux qui sont commandés directement par l'État. Vous avez SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Donc, quand on dit, entre autres, que SNCF sera jamais privatisée, effectivement, la maison mère de tête, elle ne le sera jamais. Par contre, pour les deux autres, c'est pas la même histoire. Mais pour revenir à la desserte sur le territoire charentais, en particulier sur la gare d'Angoulême, entre autres au niveau des TGV. Lorsqu'il a été mis en place le partenariat public-privé pour la création de SEA, donc la ligne Tours-Bordeaux, le contrat a été signé au départ avec un certain nombre de TGV que SNCF devait faire circuler, parce que SNCF va payer un péage, comme vous payez un péage quand vous prenez l'autoroute. Hein. SNCF paye un péage pour chaque train qu'elle fait circuler. Sauf que SEA, lui, il a dit, pratiquement les travaux finis, il dit, écoutez, ça fait pas la maille.
ça ne fait pas la maille. Moi, je vais, non seulement je ne vais pas rentabiliser, mais en plus, je ne vais pas faire de profit. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce qui les intéresse en premier, c'est le profit. Donc, ils ont exigé, je dis bien exigé, que SNCF multiplie le nombre de circulations à mettre sur leur réseau LGV. Résultat des courses, ce qu'on a mis sur le LGV, c'est ce qu'on ne met plus aujourd'hui pour la desserte des territoires. Mais quand je dis Angoulême, c'est Angoulême, c'est Poitiers, toutes les gares intermédiaires. Donc oui, effectivement, le fait qu'aujourd'hui la desserte qui était promise ne corresponde pas à ce qui était annoncé, c'est parce qu'on a préféré servir les poches d'un groupe privé sur la qualité du service qu'on va pouvoir amener aux usagers dans les territoires. Ça, c'est un gros problème. Et juste pour la petite parenthèse et pour la petite bagatelle, quand même, j'aimerais qu'on parle un petit peu du coût de cette ligne. Parce que, je vais juste leur donner en comparaison, le coût de celle-ci et de la toute première qui a été faite, qui est Paris-Lyon, le coût au kilomètre, alors ça va en asseoir quelques-uns parce que c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude, c'était 5,5 millions d'euros au kilomètre pour la toute première LGV. La Tour Bordeaux, c'est 25 millions d'euros au kilomètre. Je vous laisse réfléchir et méditer sur le sujet. Les coûts, vous voulez en parler, Laurent Trimoulin? Je crois que William Jacquillard, lorsqu'on a échangé, vous m'avez parlé un petit peu des coûts également, et vous trouvez qu'il manque de transparence, c'est ça, en matière de coûts? Ah, puis pas qu'un peu. Je ne veux pas couper l'explication, mais enfin, même si évidemment c'est un échange. Je vous rappelle que c'est un échange, donc voilà. N'hésitez pas mais c'est à vrai vous que... interpeller, à vous couper. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Cette question du coût, hein, du coût ferroviaire, des travaux. Alors là, pour le coup, c'est Vinci et Ecosea qui ont assuré, mais effectivement, quand on a échangé, et c'est pas pour jeter la pierre. Aux cheminots, mais puisqu'on parle de la SNCF et de son mode de gestion, on a quand même une difficulté à mesurer pourquoi les coûts. Alors SNCF, nous, quand ils nous font des études pour réparer une infrastructure voilà, sur tant de kilomètres, les coûts, mais ne serait-ce que les coûts d'études, mais je vous assure, c'est quand même c'est dément, quoi. On est sur des coûts d'études qui sont 3 fois, 4 fois supérieurs à n'importe quelle étude faite pour une infrastructure ordinaire. Alors, et les travaux, moi qui suis dans pas mal de comités de pilotage sur des travaux, mais même sur la mise en place de pôles d'échange multimodaux, d'une année sur l'autre, on ne sait pas pourquoi, la facture, elle double. Et on n'arrive pas à savoir ce qu'on paie. Il y a une première explication. Quand le président Rousset rouspète un peu, il dit qu'il faudrait challenger un peu la SNCF pour avoir plus de transparence, vous comprenez pourquoi. Parce que à chaque fois, c'est des dizaines de millions d'euros quand même. Donc, voilà, faut pas trop jouer avec. Et on a un vrai souci là-dessus. Il y a un premier début d'explication. On sait que, historiquement, les bureaux d'études faisaient partie intégrante même de l'entreprise et qu'aujourd'hui, l'entreprise SNCF sous-traite systématiquement ses bureaux d'études. Donc, automatiquement, il n'y a plus de bureaux d'études intégrés, déjà. C'est simple. Donc, forcément... Il y a une prise de bénéfice quelque part à un moment donné quand le sous-traitant ne sous-traite pas lui-même, déjà. Voilà une autre question qu'il aurait été intéressant de poser aux représentants de la SNCF. Oui, mais je pense que pour eux, c'est un... Ils ne nous diront pas qu'ils font des choses en douce, en cachette. Je pense que le fait qu'ils ne soient pas présents aujourd'hui, c'est... Je pense qu'ils ont un petit peu craint aussi que soit affiché ce genre de choses et qu'ils aient à s'en défendre. Il suffit de toute façon, pour s'en convaincre, de voir déjà l'énergie que met l'entreprise SNCF pour financer des filiales à l'extérieur, pour prendre des parts de marché à l'extérieur. C'est déjà révélateur. Je rebondis sur le problème des coûts. Il y a une chose qu'il faut quand même pas oublier, la genèse de la dette et l'enfoncement dans les abîmes de l'entreprise SNCF. C'est aussi des choix politiques. Et on peut remonter à très loin. Déjà, ce qui a plombé énormément, parce qu'on parle de SNCF et on croit parce que c'est SNCF et que c'est public, c'est normal que finalement on soit dans le rouge. Je tiens quand même à rappeler que nous avons quand même l'ouverture à la concurrence déjà depuis un bon moment. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, depuis 2006, le fret ferroviaire est ouvert à la concurrence. Et il n'y a qu'à aller demander aux représentants de CR ce qu'ils en pensent de l'ouverture à la concurrence. Et on vous dire... Il y a eu fin 2016 un plan de 300 emplois de dégagés sur les 1200 dans l'entreprise de CR.
excusez du peu. Donc si le ferroviaire était si rentable, n'est-ce pas, ça se saurait. Donc il y a quand même un gros problème. Et si vous en discutez avec les responsables de CR, qu'est-ce qu'ils vous diront ? Ben que, ouais, ils étaient intéressés par effectivement le fret en France, sauf que ben, quand il y a eu l'arrivée des sillons payants, cette nouveauté, ça a tout flingué. Doublé du fait que la lâcheté politique, je le dis carrément, la lâcheté politique, et la malhonnêteté intellectuelle de beaucoup de politiques qui ont fait croire que finalement, on pouvait se permettre de faire du fret ferroviaire rentable en faisant peser sur les seules entreprises qui exerçaient sur le territoire le coût des sillons. Non mais c'est une aberration. C'est une aberration. C'est en gros comme si vous faisiez passer à un seul automobiliste qui utilise autoroute de payer le péage pour tout le monde, quoi. C'est un peu ça. Et on était sur le même principe, donc ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait d'autant pas marcher que dans le même temps, la TVA qui était à 5,5, on l'a passée à 7, puis à 10. Et on va au fond du fond dans la malhonnêteté que même M. Huchon, à l'époque, avait écrit à la commissaire européenne chargée des transports pour savoir s'il était possible ou non d'appliquer le TVA réduite sur les trains du quotidien. J'invite les personnes qui sont dans cette salle, elles pourront taper sur Internet, on trouve le courrier qui a été transmis à la commissaire européenne. Et en aucun cas, contrairement à ce qui avait été avancé par les gouvernements de l'époque, il n'y avait une opposition de principe à appliquer cette TVA 5,5. Or, ça a été rejeté. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a empêché, finalement, d'arriver à remettre, je dirais, une logique financière qui fasse que le train soit attractif. Et dans le même temps, par contre, alors qu'on était pendant un temps arrivé sur un cercle vertueux avec la hausse du gazole et des carburants, je vais peut-être en faire hurler, mais néanmoins c'est une réalité parce que ça a rééquilibré un peu les rapports entre la route et le ferroviaire. Malheureusement, il y a eu la chute du cours du baril qui a malheureusement désavantagé le ferroviaire. Et se rajoute derrière la reculade, mais alors la phénoménale, sur l'écotaxe. Alors, j'aime bien parce qu'on nous vante les mérites des autres pays qui ont soi-disant réussi à réformer le ferroviaire, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion. La dette a été reprise intégralement et eux, ils ont mis l'écotaxe en place. Voilà. Alors, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on nous dise qu'on balance. Allez, c'est finalement, on regarde le petit bout de la lorgnette en disant finalement, c'est une catégorie socio-professionnelle qui pose problème. Non, le vrai problème, c'est la politique qu'on a vraiment envie de faire en matière de ferroviaire. Est-ce qu'on veut vraiment que le ferroviaire soit une politique d'aménagement du territoire ? Ça l'a été pendant des décennies, ça a permis justement la grandeur de ce pays, et là, on est en train de tout flinguer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que ça sera mort, ça sera bien trop tard pour revenir en arrière. Alors, le choix qu'il y a maintenant à faire, c'est est-ce qu'on veut, oui ou non, notamment au niveau régional, conserver le ferroviaire, et que faisons-nous ? Moi, j'en veux pour cause, c'est le discours de M. Rousset, enfin pas le discours, mais la partie de M. Rousset concernant justement la ligne Angoulême-Limoges, où c'est ému effectivement des conditions de la ligne Angoulême-Limoges, et en même temps parle de vouloir mettre une taxe sur les poids lourds. Moi, je dis banco, sauf qu'on sait très bien que c'est une utopie. Ça ne peut pas se faire sur un plan local. Ça ne peut pas. Il faut que ça soit national. Donc il faut qu'il y ait un travail de fond pour imposer l'écotaxe. Au niveau régional, on est en train, y compris juridiquement, d'affiner les choses. Donc c'est des choses tout à fait possibles. Mais ça suffira pas pour sauver le ferroviaire et la région. À mon avis, la Commission européenne va mettre le doigt dedans et j'ai bien peur que ça ne puisse pas fonctionner. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui nous effare au niveau des cheminots, c'est quand même qu'on a entendu parler il y a quelques années d'un Grenelle de l'environnement. Et aujourd'hui, le groupe a investi, le groupe SNCF, hein, parce que c'est un groupe, a investi sur le routier, le tout routier. Donc en fait, Géodisque, Albertson, etc. Donc les camions que vous voyez sur la Nationale 10, que vous essayez de doubler par dizaines, alors, qui représenteraient des beaux trains, hein, qui pourraient être affrétés ici et tirés par les conducteurs d'Angoulême. Donc ça, c'est quand même une sacrée supercherie qui, malheureusement, et là, ça va faire grincer des dents, a été aussi largement acceptée par certains politiques locaux. Donc, voilà, je ne vais pas citer lesquels, parce que bon, on les a reconnus de toute façon. Voilà. Non, mais il est vrai qu'aujourd'hui on nous parle de Grenelle de l'environnement. C'est le train est un transport sain. On avait quand même ici à Angoulême, moi j'ai été au fret pendant 8 ans,
Donc, bon, déjà, il faut, pour l'ensemble, voir que déjà un conducteur, à l'époque, conduisait tout type de train, que ce soit du fret, du voyageur, du TER, etc. Donc, à partir de 2005, si mes souvenirs sont bons, on a été scindé, on a été éclaté, en fait, en interne. Toi, tu feras que du fret, toi, tu feras que du TER, toi, tu feras... Voilà. Donc, nous, jeunes, à l'époque, on n'a pas eu le choix, on est allé dans du fret. Or, le problème, on faisait, à cette époque-là, des trains qui roulaient à 160 km/h, donc du fret ferroviaire qui roulait à 160, qui était super économique et super écologique, donc et rentable. Et du jour au lendemain, ils ont mis des horaires qui ne servaient à rien, où les transporteurs ne pouvaient pas arriver à l'heure et puis ne pouvaient pas desservir les clients. Donc en fait, c'est une politique de pourrissement qui se fait. Et c'est valable pour tout, que ce soit au niveau du TER, c'est valable pour tout. Ils mettent des horaires inadaptés, des dessertes de moins en moins fréquentes. Et puis bon, il y a quand même quelque chose qui est très important dans l'entreprise, c'est que c'est une politique de suppression de personnel. Alors ça c'est le gros problème de la boîte, c'est suppression alors, de personnel. Pour parler suppression de personnel, on va revenir, si vous le voulez bien, sur un fait d'actualité. La question des horaires au guichet, à la gare de Jarnac, oui. À Gondeville. Je crois que vous avez fait une action. Une action ce matin, oui. Que vous avez fait une action ce matin. L'idée pour remettre le débat. Donc l'accueil du public est considérablement diminué, c'est ça, la gare de Jarnac. On est, oui. On est passé de 51 heures à 15 heures. Oui, est-ce que ça, c'est symptomatique pour vous? C'est quoi ça? Ah, oui, c'est symptomatique. Enfin, c'est un virus qui court quand même déjà depuis un petit moment. Hein. Faut quand même savoir que sur ces lignes-là, vous avez des gares qui sont ouvertes depuis le matin 6h jusqu'à 23h, qui auparavant faisaient de la vente de billets sur des horaires, en gros, j'arrondis 8h-19h, pour correspondre un petit peu au temps de disponibilité des usagers pour venir chercher leurs billets. Aujourd'hui, l'entreprise, elle avance que TER a financé à telle hauteur, donc on ouvrira le guichet que 4 heures par jour. Vous avez le commercial qui fait donc la circulation et la vente, qui est présent en gare, qui a interdiction formelle d'ouvrir son guichet à la vente en dehors des horaires qui lui ont été prescrits. Et quand on vous disait tout à l'heure que quand on veut tuer son chien, rien de tel que de dire qu'il a la rage, bien évidemment, quand on choisit les horaires d'ouverture du guichet, on va faire par exemple du 9h-11h, fermeture de 11h à 14h, et on va ouvrir de 14 à 16h. Je vous laisse deviner comment on fait pour trouver un billet à midi, entre midi et 13h dans sa coupure repas, par exemple. Sur ce point, William Jacquillard, j'aimerais que vous éclaircissiez un petit point. On l'a développé déjà, oui. Un petit peu dans nos colonnes, dans les colonnes de Charente Libre. Mais entre les élus qui semblent découvrir cette nouvelle, oui, qui semble. Et vous leur aviez dit... semble-t-il. Oui. Qui a raison, qui a tort? Ça tombe bien, c'est moi qui m'en occupe du schéma de distribution, donc on peut au moins rétablir quelques vérités. Après, on n'est pas obligé effectivement de tout partager. Pourquoi est-ce que l'on révise l'ensemble des amplitudes horaires des 127 guichets dans les 107 gares de Nouvelle-Aquitaine, gares TER? Parce que ça n'a jamais été fait. Quand il y a eu la fusion des trois régions, y compris les conventions, enfin vous savez ça, les politiques et les aménagements et les responsabilités de la SNCF vis-à-vis du donneur d'ordre qu'est la région étaient différentes d'une région à l'autre. Bien. Donc, arrivé en Nouvelle-Aquitaine, début 2017, SNCF nous a dit qu'il va falloir harmoniser à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine la politique qui nous lie. En fait, le conventionnement, avant d'aller signer la nouvelle convention en 2019, on va faire un travail pour avoir une convention unique sur Nouvelle-Aquitaine. La proposition de la SNCF à l'époque, vous êtes bien assis, c'était 70% de fermeture des guichets de Nouvelle-Aquitaine. Donc la région a mis son veto, a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. La question de l'ouverture des guichets, c'est la région qui va mener la construction de ce futur schéma et qui va donc orienter et vous dire ce que vous aurez à faire puisque c'est la région qui paie toutes les heures guichet. Voilà. C'est 20 millions d'euros par an que à l'échelle Nouvelle-Aquitaine qui sont donnés à la SNCF pour que les guichets soient ouverts. Voilà. Ce choix pour telle heure à telle heure. En particulier, excusez-moi,
de passer de 51 heures à 15 alors, hebdomadaires. Alors pourquoi ? C'est quand même une sacrée réduction. Alors, comment on décide ça ? Alors pourquoi ? Sur quelle base ? Pourquoi ? On n'a évidemment pas décidé comme ça. Voilà. Et je voudrais dire que ce n'est pas une décision, c'est une proposition. Je reviendrai après sur le cadre général, mais pour ce qui concerne Jarnac, comme pour les 52 maires que j'ai visités jusqu'à présent, et j'en ai 17 encore à voir au mois de juin, à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, nous avons rencontré alors le maire de Jarnac, puisque la gare de Jarnac est officiellement adressée à Jarnac. Donc, mais elle est à Gondeville, non ? Elle est à Gondeville, voilà. Bon, ben, elle est à Gondeville, sauf que le maire de Jarnac a bien a accepté de nous recevoir. Il a dit qu'il n'a pas bien compris. Oui, avec la SNCF. Donc, on s'est rencontrés le 17 novembre. On a quand même passé une heure et demie ensemble. Il n'a pas bien compris, visiblement. Je ne sais pas. On lui a tout mis sur la table, y compris donc la baisse de 25 à 30% par an de vente au guichet, puisque... Globalement, à l'échelle de la région, 50% des titres de transport sont vendus par Internet et smartphone. Les smartphones, c'est plus 70% par an de progression hein, de vente. Et on a donc une baisse... Non, mais attendez, je finis d'expliquer et après vous me donnerez votre point de vue. Donc on a des situations de gare qui datent depuis 30 ans où quand la gare est ouverte 100 heures par semaine... On nous facture 100 heures guichet. Voilà. À Jarnac, c'était ouvert effectivement plus de 50 heures, ce qui est supérieur à la gare d'Angoulême ou la gare de Poitiers, hein, en termes d'heures de guichet. Et on nous facture 50 heures guichet. Quand on regarde le nombre de titres de transport vendus, on est à une moyenne de 3 par heure. Si on fait la moyenne, évidemment, c'est toujours des moyennes, il faut s'en méfier. Ceci étant dit, on regarde heure par heure s'il y a effectivement des ventes de titres de transport. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que 70% des ventes se font de 16h à 19h toute la semaine, pas de vente le dimanche, pas de vente le samedi. On se pose la question, on se dit pourquoi. On regarde les 80 personnes qui prennent le train tous les jours à Jarnac, les deux tiers sont des abonnés. Ils prennent un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Donc eux, ils ne prennent pas de guichet. Donc l'idée n'est pas de supprimer, mais de maintenir un service, et surtout de maintenir un service dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'au bout du bout, nous aurons 6 guichets sur les 127 qui seront fermés, dont 4 étaient déjà sans activité depuis 2016. Donc le principe qui a prévalu, c'est 1, des guichets partout, alors avec des réductions d'horaires, mais qui sont maintenues, renforcés par des solutions alternatives, ce qui a été proposé à Jarnac, de mettre un poste SNCF à la poste ou à l'office du tourisme pour que les gens puissent au moins acheter par internet. Y a des demandes, hein. Y a des gens qui veulent, qui n'ont pas forcément internet chez eux et qui veulent. Mais je sais que c'est pas la solution. Ça remplace pas l'agent au guichet. L'agent, il est au guichet. Le principe, c'est de faire les propositions jusqu'au mois de juin, de les mettre en œuvre de juin à octobre. À octobre, on fait une évaluation et tous les maires savent que au mois d'octobre, nous aurons à regarder de près ce qui s'est passé ou pas. Alors, on fera les raccords qui seront nécessaires. Moi, il y a une multitude d'endroits où je suis allé, où il était prévu, parce que théoriquement, on avait dit 15h, 20h, ça suffira. On a laissé à 35 heures, on a laissé à 40 heures. Donc avec des ajustements. Voilà. Possibles. Bref, voilà. Non. Et au mois de décembre, on validera définitivement. Donc, il n'y a rien d'imposé. Non, mais à un moment donné, voilà. je vais n'y croyez pas. Parce qu'en fait, si vous voulez... Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, Par contre, ce dont on est sûr, c'est que la SNCF, depuis 30 ans, nous facture des millions et des millions d'euros. Je suis d'accord. Qui ne sont pas destinés au guichet, et ça, quelque part, c'est de l'argent public. D'accord. On ne peut pas trop se permettre de laisser les choses dans l'état. Le problème, c'est que, expliquez-moi, comment aujourd'hui sont faites ces demandes, parce qu'aujourd'hui, vous allez à un guichet, vous y allez à une heure où vous avez fini le travail. Tous les guichets sont fermés. Entre midi et deux, les guichets sont fermés. Alors en fait, les guichets, ils sont ouverts quoi ? De 10h15 à 10h30 ? Est-ce que, franchement... Non, mais attendez, je vais finir. Mais je l'ai dit sur Jarnac, les ventes se font entre 16h et 19h. Alors on se demande qui achète entre 16h et 19h. C'est pour ça qu'on a laissé 15h30, 18h30. Non, mais entre 16h et 19h, parce qu'il a été imposé par la SNCF, mais à la base... Non, ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait. Donc aujourd'hui, on sait très bien le pourrissement des horaires d'ouverture de guichets, et on l'a vécu, et on le voit, et on voilà, les guichets sont quasiment tout le temps fermés. On met des machines automatiques qui ne fonctionnent pas, et ensuite après, on enlève les contrôleurs des trains parce que soi-disant il y a une baisse du trafic et il y a une baisse de fréquentation. On fout des trains à des horaires qui sont impossibles pour que les gens aillent travailler. Il y a des contrôleurs qui sont enlevés. Je vous ai... Non, mais enfin, voilà. Non, mais William, je veux dire, laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler, j'ai attendu. Donc voilà, alors je vais mais les choses précisément, on les vit au quotidien. Moi je suis conducteur de train, je le vois très bien sur la ligne Angoulême-Bordeaux. On a des horaires qui servent à rien du tout quand vous avez un train. Mais non mais attendez, vous avez des horaires pourris à 17h30, qui va prendre le train à 17h30 alors qu'en fait ils finissent tous à 18h par exemple. Qui va à 17h30? Non mais attendez, le train à 7h30 le matin il est plein, d'accord, mais à 17h30 qui va prendre le train? Les étudiants ils finissent bien souvent à 18h la plupart, donc qui va prendre le train? On fait des trains vides. Aujourd'hui moi en tant que contribuable, et là c'est pas le mec Sudrail qui vous parle, c'est le contribuable, moi j'en ai ras-le-bol de payer pour des trains qui circulent à vide. J'en ai ras-le-bol de payer pour des guichets qui sont ouverts, comme je disais, de 10. Alors, j'exagère le truc, hein, mais de 10h15 à 10h30 et de 14h10 à 14h50. Voilà. Moi, je sais que quelqu'un qui travaille en journée, il ne peut pas aller chercher son billet de train. Il ne peut pas prendre le train de 15h30 à la gare de Chasseneuil. Enfin, je veux dire, vous avez vu un peu les horaires inadaptés qu'il y a. Ma fille, par exemple, pour pas la citer, parce que bon, voilà, elle va au lycée à Guès-de-Balzac, elle prend le train à La Rochefoucauld depuis le début de l'année. Les trains partent, ils arrivent quasiment à l'heure de la sonnerie du début des cours. C'est mal choisi. Enfin, faut quand même arrêter les conneries, quoi. L'exemple est mal choisi. L'exemple est mal choisi. On sait pertinemment, encore une fois, que sur Angoulême-Limoges... Parce que moi, je vais vous dire une chose. Il y en a ras-le-bol aussi des réunionnites qui nous coûtent, qui nous plombent tout, où tout le monde est en train de manger les petits... Non, mais moi, je vais vous dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, on est quand même... Chacun sa vérité. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je viens d'un milieu quand même assez modeste, etc. Donc, on vit des choses au quotidien. Aujourd'hui, il y en a ras-le-bol de faire 6 millions d'euros de petits fours pour une LGV qui pour laquelle d'ailleurs la petite fête, on n'a pas été invité, nous qui produisons les richesses au quotidien. On conduit les trains quasiment 365 jours sur 365 entre tous les collègues. Voilà, on a quand même des horaires qui sont quand même assez condensés et avec des amplitudes de 11 heures par jour avec des coupures d'une heure, des trucs qui sont à la limite du raisonnable et pourtant qui sont réglementaires mais tirés au cordeau. Aujourd'hui, moi, je pose la question, est-ce que ça va arrêter? Est-ce qu'on va arrêter ces conneries à un moment donné, quoi? Est-ce qu'on va arrêter toutes ces réunionnites qui coûtent un pognon monstrueux aux contribuables? Et est-ce qu'on va arrêter de prendre les gens pour des cons, en fait? Excusez-moi. Les réunionnites, je peux vous dire avec les réunionnites, avec la SNCF, c'est très mauvais signe et ça me fait pas rigoler. Ouais. Quand je suis obligé d'aller à Paris, me battre contre Pépi, parce que ce que vous oubliez de dire, c'est que votre patron, c'est le gars le plus libre et le plus influent de France. Il fait ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut de vous, il fait ce qu'il veut des territoires. Mais alors non, moi, les réunionnites, si je n'ai pas de réunionnites avec ces gens-là pour me battre contre eux, je veux dire, on va tout laisser à plat, quoi. Non, mais si on est là aussi ce soir, c'est aussi pour rappeler que les voyous, ce sont eux, ce n'est pas nous. Parce que, juste pour revenir sur le financement de ces guichets, je crois malheureusement que la région, en l'occurrence, sans même s'en rendre compte, elle est elle-même l'outil de la destruction de ces lignes. Je m'explique. C'est que par les chiffres qu'elle vous communique, qui ne sont pas nécessairement les bons, parce que je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, que la gare de Jarnac, en termes de chiffre d'affaires, c'est la deuxième gare de Charente sur l'axe officiellement, je parle. Officiellement, en interne, c'est la deuxième gare qui fait le meilleur chiffre de vente TER sur la Charente. Ça, c'est à savoir. Donc déjà, si l'information qui vous est communiquée n'est pas bonne, et l'information qui est communiquée à la région, si déjà elle n'est pas bonne au départ, ça fausse la donne. Maintenant, on dit aussi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les ventes se font entre 16h et 19h.
Et pour une bonne raison, c'est que ça fait 3 ans que c'est fermé entre midi et 13. Déjà. Donc ça veut dire qu'on a déjà un transfert de l'horaire de vente sur ces gares-là. Mais on sait qui achète des billets. Je finis parce que j'ai laissé finir tout à l'heure. 70% des titres de transport qui sont faits par Internet ou par mobile. Ben oui, effectivement. Si les gens trouvent porte-close quand ils viennent pour acheter un billet, qu'est-ce qu'ils ont comme autre solution que d'aller sur Internet ou d'aller sur le téléphone mobile? Et encore, en faisant comme ça, ils n'auront pas la meilleure offre tarifaire qui pourra leur être faite en termes de titres de transport. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, on ne sait pas si c'est parce que les gens utilisent le smartphone qu'on ferme les guichets ou si on ferme les guichets parce que les gens utilisent le smartphone. Après, nous, les cheminots, on a aussi appris à être méfiants. J'entends dire qu'on va mettre une période d'essai entre juin et octobre et qu'après on fait une éval. Je crois avoir entendu tout à l'heure qu'on se plaignait qu'au niveau de la SNCF, ça avait été fait de la même façon. Donc vous comprendrez aussi les craintes qui peuvent être les nôtres. Donc vous êtes méfiant. Et il y a autre chose, c'est dernière petite chose et après je voudrais qu'on donne la parole à la salle. Le problème, c'est que visiblement, on discute de coûts en parlant des postes. Et à aucun moment on parle du service rendu. Et les raisons pour lesquelles il y a ce coût si exorbitant qu'on vous demande? Parce que c'est ça le vrai sujet de fond. Pourquoi on vous demande des coûts pareils? Parce que quand on a une... je vais vous répondre, je vais vous donner un élément de réponse. Quand on a une entreprise qui effectivement ne veut plus elle-même, de par ses deniers, vous offrir ce service, elle vous fait reporter le coût à vous. Ben oui, non, mais vous n'êtes pas dupe, mais en attendant, ça marche. Et le problème, c'est que je reviens et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand avant, on avait une ligne, on parle de celle-là parce qu'effectivement, ça va dans la logique de ce que je vais dire à suivre. C'est-à-dire que la ligne Limoges-Angoulême, elle faisait, les gens descendaient, ils avaient tout de suite le train pour faire Angoulême-Sainte. Et aujourd'hui, c'est terminé. Même pour Bordeaux, c'est terminé. Donc, je veux dire, quand on a créé tout le système qui permet de faire en sorte que le train ne soit plus attirant, ben, effectivement, vous avez une réduction du nombre de voyageurs. Et effectivement, on va considérer que, le poste qui est à Jarnac ou ailleurs, il n'y a plus que tant. Vous changez la donne, vous remettez des trains intéressants à des heures qui intéressent les usagers, les gens qui travaillent, et qui fassent qu'effectivement, ils ne se posent pas la question de savoir si le train va assurer, il y aura une correspondance ou pas. Le problème va être vite réglé. Hein. C'est tout. Et donc la gare de Jarnac, elle méritera d'avoir un poste ouvert 35 heures. Il y a un problème de l'accès au train. L'accès au train est réservé aux gens d'Internet, quoi. C'est ça le problème. Comme il est là, lui, à la différence de la SNCF. Attention, vous l'attaquez pas mal, on va laisser répondre. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a de plus en plus d'usagers sur la ligne Angoulême, Jarnac, Cognac, Saint-Royan. Il y en a de plus en plus. Du temps de Poitou-Charentes, c'était la deuxième ligne. Et en termes de développement, c'était la première ligne. Il y avait 11% d'usagers de plus par an. Le fait qu'il y ait moins de titres de transport achetés au guichet ne veut pas dire qu'il y a moins d'usagers. La plupart des lignes, d'ailleurs, on est sur le sens inverse. Même Angoulême-Limoges a gagné 4% d'usagers en 2017. Alors, vous voyez. Il y a deux courbes. Il y a l'usage du train... Et il y a l'achat des titres de transport au guichet. D'accord ? Et il y a l'achat des titres de transport par d'autres moyens. C'est tout ça qu'il faut analyser. À Jarnac, sur les 78 montées et 82 descentes, je crois, par jour, les trois quarts sont des abonnés. Je le dis. Je comprends bien. Et c'est une ligne où les horaires collent, y compris pour les lycéens, etc. C'est une ligne qui colle parfaitement. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que les gens, de plus en plus, ont besoin d'acheter leur titre de transport occasionnellement pour ceux qui ne le prennent pas tous les jours. Et dans cela, la progression de ceux qui passent, mais nous-mêmes, maintenir un guichet pour les personnes... Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas... Et qui va acheter au guichet à 16 heures? Je crois qu'on a bien posé les problèmes, excusez-moi. Qui va acheter Ça fait un peu plus d'une heure que nous parlons. Je voudrais quand même qu'on prenne 5-10 minutes juste pour discuter. Tout petit élément. Si je vous en prie, c'est qu'après, on n'aura plus de temps. Il y a quand même un élément qui a changé dans la façon d'aborder le volet financier. C'est que, précédemment... Le travail de vente ou le travail de maintenance était effectué par l'entreprise SNCF et en fonction de ce qui avait été effectué, on demandait le financement après coup. Aujourd'hui, on a inversé cette norme-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on donne de l'argent et on fait en fonction de ce qu'on a. Et ça, ça change énormément le service que l'on donne à l'usager. Mmh. C'était la parenthèse que je voulais ouvrir et qui était importante à mon sens. Je vous remercie. Je voudrais qu'on donne donc un petit peu la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous présentiez quand vous posez une question, qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Non, mais j'ai mon petit machin. Le micro bonjour à tous. Bon, il y a beaucoup d'organisations syndicales représentatives. Je suis aussi d'une organisation. Je suis représentant du secteur fédéral CGT pour Aquitaine-Poitou-Charentes. Quel est votre nom? Monsieur Vigneri-Joël. Donc je vais essayer d'aller vite pour laisser la place aux intervenants derrière. Bon, j'ai synthétisé un petit peu là, toutes les interventions. Il y a quelques points quand même. Pour illustrer ce qui a été dit, notamment par les deux représentants de l'agglo et de la région, effectivement, en 2016, j'étais au comité d'établissement régional et on discutait des premières grilles horaires TGV qui devaient desservir le Poitou-Charentes. Les propos du responsable SNCF, qu'on appelle de l'axe TGV Atlantique, qui était là, nous a dit notre grande erreur à la SNCF, c'est d'avoir arrêté le TGV en 91 à Angoulême et Poitiers, où vous y êtes habitué. Et le TGV n'a pas vocation à desservir les petites villes. Qui a envie de répondre à ça? C'est ça la réalité. Alors c'est pas une question, en fait, c'est un constat. Ça, on l'avait tout de suite ressenti, encore une fois, avec la médiation de Jean Auroux, on l'avait tout de suite senti. Moi, je l'ai reçu ici à Grand Angoulême. Il a été très, très sympa. Nous, on se basait sur la convention et le nombre de dessertes qui étaient promises dans la convention. On est arrivé en comité de ligne, le premier comité de ligne à Poitiers. Il nous a annoncé 7 desserts dans un sens, 7 desserts dans l'autre. Voilà. Donc on a vite compris qu'on voulait nous réduire à la portion Gongrue. Et je ne parle pas de nos amis de Ruffec qui, eux, de toute façon, n'en avaient plus du tout. Oui. Alors, la difficulté là-dedans, c'est que... On va faire vite, monsieur, que le micro puisse tourner, s'il vous plaît. La difficulté, je trouve, c'est que, notamment côté politique, agglo-région, on pointe les grosses lacunes qu'a la direction de l'entreprise, on va dire, dans tout ce qui est négociation et le manque de transparence, qui est une réalité. Moi, ce qui me dérange en tant que militant dans une organisation syndicale, c'est quand on sollicite les politiques, on a moins d'écoute et on a moins de temps d'écoute et d'aide à la préparation pour qu'ils aillent voir notre direction. C'est ça le grand drame. Aujourd'hui, on est rendu où? On en est rendu aller voir la région qui nous dit « c'est pas vrai, les guichets, on n'a pas validé, c'est les élus locaux ». Les élus locaux, ils nous disent « non, non, on n'avait pas compris ». Et la direction SNCF nous dit « c'est pas vrai, c'est la région ». Alors, Monsieur Jacquillard, répondez si vous le voulez bien. Toutes les organisations syndicales ont été invitées au mois de septembre pour qu'on leur présente le projet et pour qu'ils puissent l'amender et y répondre. Une seule organisation n'est pas restée à la table, la CGT. On va faire tourner le micro si vous voulez bien. Monsieur, pour que ceux qui distribuent le micro ne courent pas trop, on va rester dans ce secteur. Oui, je me présente, Luc Thiel. Je suis retraité de la fonction hospitalière. Par contre, j'ai été cheminot contractuel 2 mois en 1974. Ça date un peu. Non, mais ça mérite d'être précisé. Et ce que je voulais dire, d'abord au sujet de la région, elle n'a pas la possibilité institutionnelle de se mettre complètement en rupture avec, si je puis dire, le plan institutionnel étatique. Ça ne peut pas. Enfin, jusqu'à présent, la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas la Catalogne. Donc, il ne faut pas non plus les pousser dans les cordes. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la question du transport telle qu'elle est abordée aujourd'hui par le gouvernement, parce que là, on parle bien du gouvernement, elle n'est pas abordée dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la question du train, il y a la question des cars, il y a la question des véhicules partagés, et ainsi de suite. Et je ne vous parle même pas du transport fluvial. Parce que tôt ou tard, on sera quand même amené à utiliser de plus en plus les trains, de plus en plus les cars, de plus en plus des véhicules partagés, etc. etc. Donc là, le projet gouvernemental sur le ferroviaire, c'est un projet petit bras, bon, alors vous très influencé par les finances, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, et qui n'a pas une vision d'avenir sur 30 ou 40 ans. Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà, alors vous faites un constat, vous ne posez pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Non, pas la peine. Bon, bah alors faites tourner le micro, s'il vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions, vous avez des interlocuteurs pour vous répondre. Je peux juste rebondir que ce monsieur a raison, parce que nous, ce qu'on constate, que ce soit effectivement par terre...
casser le truc, il suffit simplement de retirer les moyens. Il y a de la demande, il y aurait de quoi remplir beaucoup plus, sauf que l'entreprise ne suit pas. Pour des raisons, on a déjà évoqué. L'entreprise ne suit pas parce que la direction de l'entreprise fait tout pour que ça ne suive pas. Monsieur Doré. Je crois que c'est là qu'on... Et pas les cheminots, monsieur, soyons précis. Monsieur Thiel a tout à fait raison, monsieur Thiel que je connais bien, a tout à fait raison. Mais ça fait partie d'un ensemble de déconnexions totales, d'une espèce de... J'aime pas dire ça, mais c'est quand même d'une technocratie parisienne qui de plus en plus est en déconnexion totale avec les territoires intermédiaires. On parle des corps intermédiaires, mais c'est plutôt les globalement les représentants des territoires intermédiaires qui sont complètement mis de côté, parce que regardez le boulot qui est fait sur l'ensemble de nos territoires, partout en France. Les élus locaux, les collectivités essayent d'investir sur des PEM, sur des mobilités réformées, sur l'attractivité de leur territoire, basées souvent d'ailleurs sur l'amélioration des mobilités. Et on n'est pas du tout suivi, parce que derrière, vous avez cette superpuissance et ce superpuissant PEPI qui est capable à lui seul de remettre en cause des schémas d'aménagement de territoire qui ont été élaborés par des institutions comme les nôtres de manière totalement démocratique. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant. J'ai lancé un appel sur des collectivités qui pouvaient se trouver dans le cas de Grand Angoulême. On a eu des réponses de plus de 30 collectivités, et on en a encore aujourd'hui qui nous arrivent. Des collectivités qui vont de petites communautés de communes à des métropoles comme la métropole de Toulouse. Et on est en train tous de se fédérer et de réfléchir comment on va pouvoir porter cette parole, et quelque part, un petit peu, cette rébellion au niveau de l'État, parce que je crois qu'il y a un ras-le-bol, mais un ras-le-bol certain qui est partagé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Merci. Oui. Une autre question à la salle, monsieur. Oui. Donc, je suis Joël Ratier, président d'un côté de commune... Porte-Océane de Limousin, donc Charente-Limousine, Haute-Vienne, voilà. Merci, Président, de nous avoir invités à participer à cette réunion. Le transport ferré, vecteur essentiel d'aménagement du territoire, parce qu'effectivement, c'est ce que nous vivons et ce sur quoi nous sommes engagés, nous, sur notre secteur. Et c'est pour ça que nous avons souhaité participer ce soir à votre réunion, parce que quand on prend cette ligne Limoges-Angoulême, c'est effectivement, quand on prend l'ensemble du bassin que draine cette ville, c'est plus de 400 000 habitants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, dont on ne peut pas ignorer. Donc on a tous fait le constat que cette ligne était en train de mourir. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, maintenant, c'est de passer le constat, c'est comment on agit. Donc nous, on a décidé, pas les seuls, hein, l'ensemble des élus de cet axe, de montrer les crocs, comme on dit, et j'informe l'assistant ce soir que nous avons décidé le 6 juin, à la même heure, en gare d'Angoulême et en gare de Limoges-Bénédictin, d'occuper les lignes. Et non, parce que je suis au cœur du sujet, monsieur, vous me dites de faire court. Je crois qu'il est important, parce qu'une fois qu'on a fait le constat que la ligne est en train de mourir, je crois que l'urgence, c'est d'agir justement pour qu'on soit entendu, pour que des travaux soient enfin faits sur cette ligne structurante pour nos territoires. Donc le 6 juin... À Angoulême et à Limoges en même temps. Voilà, en même temps. Et après, on se retrouve à 10h30 en gare de Chabanais pour effectivement, là aussi, sur le tronçon qui pour le moment est fermé, montrer effectivement le désastre. Et nous y serons avec des vélorails. D'accord. Voilà. Super. Je commence à connaître les vélorails. Avec toute la symbolique. Alors je sais qu'il y avait un poisson d'avril en Charente sur cette question. On n'imaginait pas que le poisson d'avril puisse être réexploité. Juste une petite information quand même à mettre à votre escarcelle, c'est que sur cette ligne de Limoges où au jour d'aujourd'hui, depuis bientôt deux mois, aucun train ne circule, il faut quand même que savoir qu'elle ne circule pas parce qu'il y a une accumulation de défauts qui font qu'aujourd'hui, il a été décidé de la faire non circuler. Il faut quand même savoir que chacun de ces défauts pris individuellement n'empêche en rien de faire rouler des trains sur cette ligne. Ça, c'est important à savoir. Et moi, j'ai une question à vous poser, j'ai une collègue là, j'ai une question à vous poser ainsi qu'à vous, l'intersyndicale. Où sont passées les 7000 traverses de Saya? Il y a le maire de Saya. Le maire de Saya est là. Il va vous le
Le maire de Saïa est présent dans la salle, peut-être peut-il répondre à cette question importante. Donc moi c'est Jacques Bertrand, je suis le maire de Saïa, mais je suis aussi un ancien cheminot. J'ai travaillé sur la ligne de Limoges à Exideuil pendant 30 ans. J'ai fait circuler des trains, donc je la connais très bien. Pour en revenir aux traverses, honnêtement, je ne sais pas trop où elles sont parties. Je pense qu'elles sont parties à Aix. Hein. On les a vues passer. Mais par camion, hein. Faut dire ce qui est. Elles sont arrivées à Saïa par camion. Elles sont reparties par camion. Je ne sais pas, on est en plein délire. L'heure tourne, malheureusement. On va essayer de faire partir le train à l'heure, si vous le voulez bien. Je voudrais une ou deux questions. Deux questions de plus dans la salle. S'il pouvait y avoir des dames, parce que le plateau est totalement masculin, même l'animateur est un homme, les questions sont des questions d'hommes. Je vous promets que la Haute-Vienne ne va plus intervenir après, hein, c'est fini. Hein. Jean Duchambon, maire de la commune de Saint-Victurnien, 1800 habitants, qui est sur la ligne et à deux arrêts du terminus. Je crois qu'on a un absent de marque ce soir, quand même, hein, c'est l'État. Donc, voilà. Et c'est trop facile, parce que cet État nous fait du chantage. Donc nous avons eu, je ne sais pas si nous avons eu l'honneur, mais nous avons eu l'avantage de recevoir le député Jean-Baptiste Djebari samedi matin, donc au niveau de la communauté de communes, et comme vous le rappeliez à juste titre, rapporteur finalement du projet de loi au niveau de la SNCF. Donc, et je pense qu'on nous fait, on veut nous faire faire un petit peu de chantage et nous monter les uns contre les autres. Hein. Les élus, finalement, contre les usagers, les élus entre eux également. Je fais court. C'est vrai qu'il nous a annoncé qu'au niveau du contrat de plan État-Région, il manquait 19 millions d'euros qui n'avaient pas été investis sur cette ligne entre Limoges et Angoulême. Et ça, il nous l'a pointé. Alors, c'est vrai que c'était du... je pense que ça devait être en 2015, et peut-être finalement voté par l'ancienne région, donc Limousin. Mais je trouve que cette attitude est assez révélatrice de ce qui nous attend finalement dans quelques temps. C'est-à-dire qu'on va demander aux élus régionaux de prendre la décision de ne pas faire ou de faire moins. Donc, je crois qu'il va falloir avoir cette épreuve de... Mais je dirais de sincérité entre nous, et puis qu'on puisse enfin se dire les choses et de savoir où on va. Quand tu vois la lumière au bout du tunnel, fais attention au train. C'est ce qu'on disait en Afrique. Ici, on risque plus rien. Monsieur Jacquillard, juste sur ce chiffre qui correspond à ce que vous avez dit. L'histoire des 19 millions, ils étaient fléchés dans le cadre du contrat de projet État-Région pour la modernisation de la signalisation entre Angoulême et Roumazières. Pour la signalisation. Mais effectivement, quand on a vu comment l'infrastructure était dite hyper dégradée et que l'on est sur des sommes de réfection entre 60 et 150 millions d'euros, on a dit les 19, ça sert à rien de les mettre sur la signalisation si on ne peut pas faire rouler des trains sur les rails. C'est pour ça que ces 19 millions aujourd'hui restent à disposition de la rénovation de la ligne. Je voudrais deux toutes petites questions, s'il vous plaît, pour terminer, parce que le temps passe. Oui, on a droit que le bout. Les petites questions, ça va être difficile, mais bon, je vais essayer de résumer. Donc, vous avez une personne aussi, David Rabardi, agent d'encadrement SNCF, accessoirement élu mandaté, à la CGT, bien sûr. Et, bien sûr, enfin, y a d'autres bien sûr, ce qui n'est pas une tare, puisque... Et je vais vous faire remonter un premier constat, il est partagé. Donc moi j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs entités de la SNCF, donc je peux me permettre de rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui je suis à Limoges, donc le côté Limousin je le connais bien également, j'arrive à faire le pendant des deux. Premier constat effectivement, Guillaume Pépi, seul heure de vous, ça fait des années. Ça fait des années que le TER sert à renflouer les caisses de la SNCF, notamment dans le cadre de la dette qui s'accroissait. Et vous avez participé au même titre que les cheminots dans l'effort de productivité, c'est-à-dire dans nos suppressions de postes. Voilà, je tiens à le souligner. Donc vous avez perdu de l'argent par le biais de vos dotations de délégation de services publics. Nous, on a perdu des emplois, première chose. Je vais essayer de faire court. Deuxièmement, on se retrouve dans une situation au niveau du TER... Il a beau avoir doublé en termes de voyageurs, hein, j'entends bien M. Jacquillard. Ceci dit, moi j'ai connu des trains, puisque je suis ancien chef de feuille, mes collègues pourront en parler. Donc je me suis occupé de faire du plan de transport, et notamment des roulements d'engins.
et notamment des CHSCT, de les conduire, mais de l'autre côté de la table, à la place du patron. En l'occurrence, aujourd'hui, faire un train, on prend le même train le matin, hein, monsieur Jacquillard, pas aussi souvent, pour aller à Bordeaux, 1h30, pour quand on est salarié à Bordeaux et qu'on habite Angoulême, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas embaucher à 9h. J'ai connu des trains avec du matériel certes plus vieux des Z2, mais on mettait 1 heure. Exactement. C'est juste pour vous résumer. Vous parlez de l'accroissement du TER sur la ligne de Saint-Troyant et La Rochelle. Pour faire simple, s'il vous plaît, parce que j'ai connu l'accroissement de cette ligne et les dotations à l'époque avec la région, et notamment le travail de fond qui a été fait avec Jacques Aymond et d'autres. Aujourd'hui, si on doit faire le pendant avec Limoges, cette ligne est délaissée. Il y a des comités de ligne où les élus sont sous-représentés, ont très peu d'informations, et sur le cas de la ligne Limoges, aujourd'hui, effectivement, il y a un bassin qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y a des gens à Limoges qui se battent pour, depuis Saïa, pouvoir aller embaucher, mais ceux qui sont de Charente, ou inversement ceux qui doivent redescendre, c'est pas le cas. Il n'y a personne aujourd'hui pour nous représenter de la région. Je vous remercie. Ce qui est très grave. Je vais demander vraiment. Et simplement, je vais vous, pour finir. Oui, le modèle du. Tout le monde ne pourra pas le avoir modèle la parole. De la convention. Le modèle de cette convention TER. S'il vous plaît. J'espère que dans 5 ans, quand ouverture à la concurrence, puisque Monsieur Rousset souhaite faire cette ouverture à la concurrence, j'espère qu'on pourra le comparer à la région Occitanie où Madame Delga a fait le choix d'intégrer la totalité. Et on comparera les coûts qui exploseront côté Nouvelle-Aquitaine par rapport à le côté Occitanie. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous proposer de répondre. Je vais vous demander. Ah oui, parce que c'est pas ça. Non. Bonjour, Jean-Claude Doucet, retraité France Télécom. Oh, je viens d'entendre beaucoup de choses qui me rappellent quelque chose. Mais décidément, nos politiques n'ont pas changé. Et autour de cette table, là, assis des personnes que je connais depuis très longtemps. Et justement, il y a quelque chose qui me ramène exactement dans les mêmes. Mais les mêmes proportions, les mêmes choses qui ont été faites avec la privatisation de France Télécom. Je le dis, ouverture à la concurrence, privatisation, 2003. On achète Orange à un coût de 4 500 l'action Orange aux Anglais pour dire on va être les meilleurs sur le marché, effectivement. Voilà ce qui a été. On a ruiné donc l'entreprise. Et quand j'entendais avant-hier quelqu'un dire ben, la seule entreprise en France qui coûte de l'argent, c'est la SNCF. Ben, je vais vous dire que c'était 62 milliards, le coût de France Télécom. Quand même, il faut le rappeler. Et c'était l'État qui était majoritaire. Bon, alors ça déjà, vous voyez, les politiques qui ont suivi depuis ce temps-là, ils sont tous passés, de gauche comme de droite. Et ils sont autour de la table ici. Et ils sont dans les rangs, là, ici. Et ils sont dans la région. Et il ne faut pas se tromper. Donc, aujourd'hui, on veut privatiser France Télécom, le rail, la SNCF, c'est lancé, mais c'est déjà lancé depuis longtemps. Donc c'est une chose qui va continuer. Et là on se bat entre... Et alors je tire mon chapeau aux 3 personnes, alors je dis franchement, qui sont installées là, qui sont des gens de terrain, et qui ont dit les choses telles qu'ils les ressentaient. Bravo à eux. Parce que les autres, c'est des langues de bois, et ça continue. Donc moi j'ai une question Merci. À poser... Non, mais je l'ai fini. Merci, monsieur, pour ça. En séance plénière, les conseillers régionaux ont adopté le retrait de l'article qui devrait ouvrir à la concurrence les lignes ferroviaires de leur région. Écoutez bien. Les élus qui ont, pour des raisons politiques et idéologiques, voulaient à tout prix libéraliser le ferroviaire sur cette région, on est un petit se peu sont vus signifier une fin de non-recevoir au nom de l'intérêt général et en premier lieu celui des usagers. Je demande à la région Aquitaine et aux personnes qui sont là, est-ce que vous allez envoyer le même communiqué demain pour vous opposer à la concurrence? Bon. À vous deux, messieurs, c'est marqué, c'est la première, ça vient de la région, je vous le dis, Franche-Bourgogne-Franche-Comté. Bon. Ici, c'est une décision qui est tombée ce soir. Très bien. Ici, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine. Je crois malheureusement qu'on va être obligé d'arrêter. Il est 20h36, oui. Ça fait... 1h20 que nous parlons, donc je pense que... Oui, juste peut-être une dernière prise de parole, si une dernière intervention sur RUFEC, puisque je représente ici, là, il y avait des syndicalistes à la tribune. On vous connaît, mais la caméra n'est pas sur vous, donc présentez-vous. Si oui, il y a des syndicalistes à la tribune, effectivement, qui mènent une bataille, mais il y a aussi des citoyens organisés sous forme de collectif, parce qu'il n'y a pas de fatalité dans ce domaine-là. Il y a des combats à mener, et donc je voudrais dire que déjà que le fait qu'il y ait une initiative de débat public ce soir, c'est une bonne chose, parce que ça montre effectivement l'unité d'un territoire et la solidarité d'un territoire
qu'il se soit les zones périurbaines et les zones rurales, par rapport à un enjeu fondamental qui est l'irrigation et l'aménagement du territoire et la défense d'un service public. Donc je pense que c'est, ça, c'est déjà un point d'appui. Il est clair que nous, à RUFEC, on est bien placé pour savoir que quand on supprime l'offre, on casse la demande, puisqu'on est la seule gare du tracé qui est proche du tracé de la nouvelle LGV qui a perdu la desserte TGV. C'est-à-dire qu'on nous a supprimé un service, donc forcément, les citoyens de cette zone de vie qui représente 100 000 personnes se retrouvent livrés à eux-mêmes et obligés de trouver des solutions personnelles. La question qu'on pose, nous, depuis 2 ans, avec le soutien d'un certain nombre d'élus présents ici ce soir, qui sont venus régulièrement à nos actions organisées à RUFEC et dont la Charente Libre s'est fait l'écho, c'est pourquoi, lorsque la France se modernise, ça doit toujours se faire au détriment des plus isolés et des plus socialement fragiles. Ça, c'est une vraie question, parce que on remet en cause, effectivement, la question du financement du PPP, pas au sein du collectif, ça, c'est moi qui parle, mais on n'a pas été jusque-là dans la contestation. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, ce qui a été évoqué par rapport au prix au kilomètre. Mais la question fondamentale, parce que si ça avait été un investissement de l'État sur cette LGV, pourquoi pas, qu'on veuille connecter des métropoles à l'échelle de l'Europe, etc., pourquoi pas, il y a un enjeu, effectivement, aujourd'hui, de rebond économique de l'ensemble de la nation. Mais pourquoi ça doit se faire au détriment des zones rurales et des zones périphériques? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi pas maintenir le service de proximité, les trains du quotidien tels qu'ils existaient, tout en développant, effectivement, la grande vitesse? Et la question qu'on veut poser, nous, c'est qu'il y a un enjeu de rentabilité qui a été évoqué par les syndicalistes. RUFEC, c'était 26 montées-descentes à chaque arrêt TGV. Il y en avait un le matin, un le soir, c'est-à-dire quasiment autant que chaque arrêt TGV à Libourne. Pourquoi Libourne garde un certain nombre d'arrêts? Pourquoi RUFEC ne l'a plus, n'a plus son arrêt qui rend beaucoup de services aux gens, parce qu'il y a vieillissement de la population, il y a besoin de déplacements sur Paris d'un point de vue culturel, soutien familial, cohésion sociale et cohésion générationnelle. Donc nous, on n'a pas perdu espoir. On se bat collectivement avec les élus, avec des acteurs économiques, sociaux. Et je voudrais poser une question aux syndicalistes cheminots, qui sont pour nous des ça experts. Ça va être compliqué de relancer le débat. Non, mais juste, c'était une question, mais on a bien conscience que le débat, la bataille qu'ils mènent aujourd'hui, c'est pas une bataille corporative. Ce qu'ils défendent aujourd'hui, c'est la question de la péréquation. C'est la question de la péréquation, c'est-à-dire des lignes hyper rentables sur lesquelles il y a eu d'énormes investissements doivent servir à soutenir les lignes moins rentables qui aménagent le territoire et qui rendent service à la population. C'est l'enjeu fondamental de leur lutte. Et donc moi, la question que je leur pose en tant qu'expert, c'est pour nous, quels espoirs on peut avoir à RUFEC sur le maintien de l'ancienne voie à 200 km/h? Parce que ça, c'est un enjeu fondamental. Si on veut faire revenir le TGV dessus ou mettre des TERGV qui vont bientôt arriver, il nous faut la ligne à 200 km/h. Donc ma première question, c'est est-ce qu'elle restera à 200 km/h? Qu'est-ce qu'ils en savent? Comment peut-on améliorer le cadencement des TER, par rapport au TGV pour permettre des liaisons quotidiennes à RUFEC? Et puis, en gros, quelle est leur vision, eux, sur le retour du TGV à RUFEC? Alors, je vous remercie. Je vous propose que ces questions soient posées hors débat, malheureusement, parce qu'il est un petit peu tard. Même s'il est un petit peu tard, on peut au moins répondre à celle-ci, parce que la réponse va être très brève. Alors, je vous demande, si vous le faites en une minute, je suis d'accord. Sinon, ça devrait être même en moins que ça. Je vais vous rassurer tout de suite, ça ne sera plus jamais 200 km/h. La décision est prise, ça sera 160 km/h. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que ça fait maintenant 6 ans que j'ai alerté les politiques locaux sur le fait que c'était ce qui allait nous tomber sur le coin du nez. Et qu'à l'époque, personne n'a réagi. Et j'enfonce le clou. En plus, l'entreprise se met une épine dans le pied, bien comme il faut, puisque le fait de pu avoir la connaissance par l'ancienne ligne, donc Angoulême-Poitiers, pour nous, agents de conduite, du fait de la TT 035, c'est la réglementation qui maintient les connaissances lignes des agents de conduite, veut dire qu'au mois de juillet, là, plus aucun agent de conduite n'est autorisé à circuler sur la ligne entre Angoulême et Poitiers, sur l'ancienne ligne. Donc, deuxième effet qui se coule, le jour où il a un incident sur LGV, il se retrouve marron. Ils ne pourront pas passer le TGV sur la ligne classique actuellement sans retarder les trains d'au moins 20 minutes. Hein, tout cas. Merci beaucoup à tous. Ce débat a été très riche. Il nous a juste manqué un petit peu de contrepoint, mais les absents ont toujours tort. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette soirée. Merci de nous avoir suivis également sur le site charentelibre.fr. Bonne soirée à tous et merci. Merci à vous. Ouais. On a tout fait, on a tout fait, on a dit, on a tout fait, on a dit, 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 on a